collectif PAMA, des fonds d'appui doivent être mobilisés. 70 à 80% des membres du groupement patronal FIFPAMA ou FIFJUN à Nipandara Malagas ont fait face à une réduction de leurs activités compte tenu de la pandémie du coronavirus et du confinement. Des chômages partiels ont eu lieu selon les précisions apportées par Andjena Valmanana Razafiarsan, président du FIFPAMA. La situation risque de s'aggraver sans une prise de mesures d'urgence par les autorités étatiques. Une paralysie des entreprises et partant de l'économie est à craindre. Notre interlocuteur estime que des fonds d'appui doivent être octroyés aux entreprises d'une part pour leur permettre de poursuivre la production, mais aussi aux travailleurs du secteur privé pour maintenir leur pouvoir d'achat. Des mesures doivent être prises pour que les entreprises puissent payer les prestations sociales comme la CNAPS et l'OSTI. Pour les prêts bancaires, les taux d'intérêt devraient être révisés à la baisse. Le paiement de l'IRSA devrait par ailleurs être suspendu et il ne devrait pas y avoir de retenue y afférant sur le salaire des employés. Ces différentes mesures permettront d'atténuer les impacts économiques de la crise sanitaire.